suis avec. J'ai eu. Dundee 33, 30, Dundee CB Radio là. On est en fréquence. Ils m'entendaient pas très bien pour l'instant. Moi je l'ai capté à 48 km de Bordeaux sur la A65. Après je l'ai eu mieux sur la A62. Je me rapproche de Bordeaux là, il va me recontacter normalement dans le voilà. Ouais Dundee pour le top 51, ouais tu peux revenir, j'ai pas eu les Rangers. Ouais mais là je vais arriver au péage Dundee 33 là. Alors ça va un peu faire des interférences, je te redis quand je suis passé du péage, ok? Ok, j'arrive à partir dans le piéton, c'est très QRP là de mon côté là. Ah ok d'accord. Attention, en train de jouer avec les filtres, je dis, reviens-moi. Ouais bah moi j'ai tout mis, j'ai tous les filtres, ouais mais essaye, voir, tu verras bien. Ok, tu es à quel endroit en ce moment sur la route? Sur la route de Bordeaux, tu es? Là j'arrive au péage, le grand péage là, au bout de la, la 62, la direction Bordeaux. C'est la 62, celle qui fait, qui revient de Toulouse là, celle la, la 62. Ok, affirmatif. Ben là, tu passes à très QRP là, de mon côté. Ben, je radote, HI 3 coups. Et là, de ton côté, là, tu es au maximum, j'imagine, côté puissance. Oui, non, mais c'est pas grave. Hein. On va faire avec. Hein. Ben, c'est pas grave. Hein. De toute façon, là, je laisse tourner les vidéos. C'est après au montage là que je ferai là, les différentes découpes, que j'arrangerai ça quoi. Bon, je suis avec le Dundee 33 là sur Bordeaux, mais c'est compliqué. On voit, il est loin. Du coup. Tout à l'heure, je l'entendais mieux à 48 km de Bordeaux. Là, plus je me rapproche de Bordeaux, et moins je le reçois en vrai. Donc, on va voir. Sinon, bah, ça fait plaisir d'avoir Dundee CB Radio sur la CB. Là, c'est nickel. Donc, on va essayer de se revoir un peu mieux. On verra bien sur Bordeaux là si ça passe un peu mieux. Sinon, pendant midi, à la coupure chez mon client, j'ai fait deux contacts en USB sur le 27555, une à Auch et l'autre du département 30, mais il a pas, j'ai pas compris son lieu, ça a coupé d'un coup, et voilà. Et puis là, bah, on essaye avec Dundee. Mais là, c'est assez compliqué dans le coin. Et vous, j'espère que les QSO, ça marche, hein, que ça fonctionne un petit peu. Oui, allô, allô, la station, bonjour, 73 à toi.
Ok, pour ne pas avoir eu le temps de clarifier, les bons chiffres du top 51, opérateur Christophe, là, je suis en 1000 pattes direction Paris, et je suis en communication avec le Dundee Sibir Radio du 33, la station, retour sur toi. La station, si tu as clarifié sur moi, moi en clarification, j'étais pas terrible à la station. Retour sur toi. Nico, c'est ça, c'est Nico, ok, j'ai compris Nico, ok, la station Nico. Nico, pour le top 51, il doit pas t'entendre, il a déjà du mal avec moi et je crois que ça passe pas très bien là. Il m'a semblé entendre un petit filet de quelque chose dans le lointain. C'était pas toi, Christophe, mais là, quelqu'un d'autre là, que j'ai entendu, il me semble, je suis pas sûr. Oui, en avant la station. Ah, là, ça passe un petit peu mieux. Ouais, ben là, ça passe un petit peu mieux, mais bon, là, si au début, la première phrase, là, j'arrivais à te sortir, là, ce coup-ci, là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, là. Ah oui, ok, compris, tu as du monde sur le canal 26, le canal 30, et du coup, et te moustache. Ah ben, tu m'étonnes, là, dans la semaine, on est quoi oui, dans la semaine, là, moi, j'ai eu le même cas, là, le matin, et là, j'étais en QSO avec une station qui était du côté de Saint-Médard-Martignas, par là-bas, donc plein ouest par rapport à Bordeaux. Et à un moment donné, on a dû couper court au QSO, car j'étais entouré de stations, mais c'était pas des étrangers par contre cela. C'était bien des stations françaises, et ils étaient en convoi de Ben, hein, je crois. Et ça y allait. Alors bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, je lui ai dit au revoir, et puis voilà quoi, hachi. Ah, je suis à la hauteur de Saint-Loubet, là, à la hauteur de Saint-Loubet. Ouais, je suis là-bas, c'est ça, Dundee, Saint-Loubès. Ok, là, je commence à t'entendre un petit peu mieux. Ah, voilà, ça va arriver, faut être patient. Ah oui, non, mais c'est de toute façon, oui, y'a pas de problème, hein. La radio, c'est de toute façon, c'est lui qui a pas compris que tu fais de patient à la radio. Mais lui, il a rien compris, hein, c'est trois coups. Comme des fois, je vois des messages de personnes, ils veulent que la propagande soit là au moment où eux vont décider. Sauf que les gens, c'est comme la nature, hein, ça fait ce que ça veut, assis trois coups. Oui, il n'y a pas que ça, il y a plein d'éléments, il y a aussi, t'as pas besoin de propag pour faire de la CB, faut une bonne antenne, c'est pas tous les jours que t'as quelqu'un non plus, voilà, faut être patient, hein, c'est comme la pêche.
pas mal plus que moi, mais on peut faire avec. Est-ce que toi, de ton côté, tu arrives à bien entendre? Ouais, je te comprends mieux que tout à l'heure, Dundee, tu peux y aller. Ok, ouais, je crois que si j'ai bien compris, tu m'entends mieux que tout à l'heure. Bon, logiquement, attends deux secondes, je coupe, je relance la vidéo. Ok, voilà. Après, c'est fait, là, je relance. Après, je ferai le tri, là, au montage. Ok. Donc, alors, attends, que je commence, que je fasse pas de boulettes. H3Coup. Donc, oui, tu es Christophe. QRZ TOF 51, ou alors 14 Golf Eco Foxtrot 051. Et c'est toi qui a lancé le fameux canal 29. Alors ce canal 29, il est pourquoi tu l'as lancé? Il s'adresse à qui? Canal 29, il s'adresse à tous les gens qui veulent monter la CB ou qui modulent déjà. En fin de compte, c'est un groupe pour rassembler tous les CBs de France. Qui était éparpillé un peu sur tous les petits groupes à droite et à gauche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé un canal et un groupe Facebook. Et le groupe Facebook est associé au canal 29. Ok, voilà, donc là je vais dessus. Alors, le groupe sur Facebook, est-ce qu'il est facile à trouver? Enfin, moi je suis dessus là en ce moment, donc pas de souci. Les gens qui veulent le trouver, quelle recherche sur Facebook ils doivent faire? Si tu fais une recherche sur Facebook, tu tapes 29 et normalement tu tombes sur 29 CB Old School l'officiel et t'as plus qu'à cliquer dessus et tu arrives sur le groupe. Ok, voilà, je suis en train de faire un petit zoom là sur la page. Donc, canal 29, 29 CB Old School. Ok, voilà. Comment t'es venu cette idée là de lancer justement ce groupe, ce canal 29? Je faisais de la CB avant, depuis que je suis jeune. J'ai arrêté un petit peu à la naissance de mon premier fils. Et je suis rentré là dans l'entreprise il y a 3 ans et la CB ça me manquait parce que le téléphone t'as pas toutes les infos sur la route aussi rapidement qu'une CB par rapport à un téléphone. Ok, moi j'espère que dans la vidéo on arrivera à tout entendre correctement parce que c'est vrai que là c'est assez ardu. Hein. Là, faut avoir l'oreille un petit peu exercée là pour entendre. Hachi, il y a une question qui revient assez souvent. Le canal 29, ok, il est pour partager les infos sur la route, ceci, cela. Mais ne fait-il pas un petit peu doublon avec le canal 19? Voilà un petit peu le genre de question que je vois. Ouais, par rapport parce que l'ancien le 29, c'est j'étais sur l'ancien groupe le 19 et du coup on s'est séparé. Moi j'avais créé le logo, j'ai repris mon logo et j'ai créé le 29 CB Old School officiel. Voilà, avec le logo que j'avais créé avec ma femme. Et du coup, voilà, il y a eu une mauvaise entente avant. Et du coup, j'ai relancé mon groupe à côté avec la demande de certains membres qui m'ont demandé de créer mon groupe. Oui, non mais pour le groupe, ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la question qu'on voit assez souvent... C'est le canal 29, pas de souci, d'accord. Tout le monde vient dessus. D'ailleurs, je vais essayer de voir un petit peu là, le nombre de membres là que t'as dessus. Alors où c'est? Je suis en train de chercher un petit peu. Je sais que c'est énorme. Il y a un nombre colossal de membres de dessus. Comme quoi, ça intéresse vraiment, vraiment du monde.
À moins que. Alors attends, je crois que je me suis trompé. Je dois être sur la page. Sur la page et non pas sur le groupe. Oui, c'est ça. Ok, voilà. Voilà, j'arrive, je vais arriver sur le groupe ce coup-ci. Bon, de toute façon, le groupe, il est pareil que la page de la présentation, donc c'est bon. Non, je suis pas encore. Ah ben, je suis en train de me perdre dans la recherche. Alors, attends, voilà. Canal 29. je me suis perdu quoi, je suis trois coups. Ouais, nous sommes 3515 membres d'Undie sur le groupe. Donc il y a du poids lourd, du VL, du taxi, du fixe. On a des cibistes normales, pas amateurs. Et il y a des. Comment ? Aussi. Comment du radio amateur, il est ouvert à tout le monde le groupe, il est il y a de la diversité aussi et voilà Dundee. Ok, voilà, là je l'ai retrouvé, donc je fais un nouveau zoom dessus, donc c'est 29 CB Old School officiel, voilà, canal 29. Donc autrement dit, pour ceux qui se posent toujours la question, pensant que ça fait doublon, le choix du canal 29 au lieu du canal 19 est juste histoire de ne pas encombrer la fréquence. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Mais justement, c'est là où les gens comprennent pas, puisque le canal 19 lui aussi est fait pour la route. Donc pourquoi spécifiquement le canal 19, juste pour dégager du canal 19, pourquoi le canal 29, c'est juste pour dégager du canal 19, c'est ça? Le canal 29, c'est le canal d'un groupe, c'est un groupe Facebook qui est associé à un canal. Donc les membres du groupe sont sur le canal 29. Après tu vas sur le 19, c'est le canal d'appel ou le canal d'écoute de la route. C'est comme le 27 ou le canal secours, le 9. C'est pour pas empiéter sur le canal. Et voilà. Et après, comme les membres du groupe sont sur le 29, il y a plus facile à faire des QSO quand tu te croises ou tu passes dans des régions, tu vois. Oui, ok, ça marche, ouais, j'ai bien entendu. Ok, et aussi, d'après ce que j'ai vu, tu as eu droit à un article aussi dans un magazine routier, c'est ça? Affirmate, Dundee, j'ai été publié sur le France Route, sur le mois de juin et juillet. Et normalement, ce mois-ci, j'aurais dû être sur les routiers. Mais l'article n'a pas été publié et je suis en train de voir avec eux pour le mois prochain. Ok, d'accord. Ah oui, là j'étais parti. Ouais, d'accord, ok, ouais. J'ai bien entendu. Là j'étais parti là pour voir là tout à l'heure le nombre de personnes. Alors voilà. Donc là, à la seconde même, là sur ton groupe, tu es à 3515 personnes. Donc ça montre bien l'intérêt que les gens ont quand même pour la CB et avoir des infos routières, quelles qu'elles soient, via le canal 29. Là, bravo, chapeau pour le travail que tu fais pour ça. Hein. Bah, je te remercie, j'essaye de faire le maximum. J'ai plaisir à travailler sur mon groupe, j'ai des bons modérateurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont là pour donner des conseils. Et on a un fournisseur de matériel, c'est Rapace Télécom. C'est une boutique en Belgique et il fournit pas mal de matériel pour le groupe. Et voilà, je suis bien content de les avoir au sein du groupe, tu vois bien. Ok, d'accord. Je crois que attends, j'ai pas bien compris. Il y a une application aussi là qui fonctionne via le pour le canal 29.
Si oui, comment on peut l'avoir cette application? Alors l'application pour l'avoir, ça, on passe par le MP, on vient me voir, on me demande, parce que je donne un code d'accès à l'application, avec un petit règlement intérieur, parce qu'avant on l'avait mis directement sur le groupe, et du coup on avait des gens non équipés sur l'application, et à chaque fois les membres me disaient bah j'ai passé à côté de un tel et la personne n'a pas répondu. Donc à chaque fois il fallait que je fasse les démarches pour aller voir la personne qui n'avait pas répondu. Ok, vu que l'écoute est quand même un petit peu difficile de mon côté, peux-tu me marquer soit en message perso ou alors en réponse là, sur ton groupe le nom exact de l'application? Car là je suis sûr, là dans la vidéo, là de mon côté, là j'ai pas du tout compris le nom de l'application. Donc si tu pouvais me marquer ça, ce serait pas mal sympa, et comme ça je l'ajoute à la vidéo, quoi. Actuellement en direct, Dundee, que tu peux revoir aussi pour les informations que tu n'as pas entendues. Ok, donc tu es en train de faire une vidéo en direct. Je suis étonné, j'ai pas eu d'alerte là au niveau de Facebook. D'accord, ok, voilà, ouais, je te vois en ce moment en direct. Voilà, je suis dessus, je suis sur ton direct. D'accord, je récupérerai en même temps le direct pour pouvoir superposer ta vidéo à la mienne. Ouais, ça, je peux le faire au montage, ce qui fait comme ça, les gens, vu que de mon côté, l'écoute est difficile, les gens t'entendront depuis ton direct, et puis après, moi, de mon côté. Ok, d'accord. Et puis là, il y a des personnes qui demandaient pour le sticker. On a un sticker de groupe que tu mets sur le véhicule au niveau du pare-brise ou sur les voitures pour sur la carrosserie. Ils sont à 2,50€ avec l'enveloppe. Mais c'est pareil, tu peux les avoir avec nous. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Ah ouais, non mais là il me tarde hein, la vidéo en direct est interrompue. Hachi, tu dois être dans une zone là où ça passe plus. La vidéo, non, j'avais un appel téléphonique, du coup ça a coupé tout. Ouais, non mais ça y est, c'est reparti là. Putain. Alors tu vois, le truc sympa, alors attends, j'attrape la caméra, voilà, j'amène dessus. Ok, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un décalage. Donc là, sur la vidéo, je te vois en train de parler. Ça y est, tu viens de relâcher le micro à l'instant. Et voilà, donc avec le décalage, du coup, là, c'est, ça fait bizarre. Ah oui, là, ça va mieux. Bon, de toute façon, grâce... est-ce que le direct, tu l'as commencé juste avant de répondre aux questions ou après? Il est commencé depuis que je t'ai eu à 48 km avant Bordeaux, Dundee. Ah, génial. Je vais me régaler là-dessus. Oui, là, je vais me régaler, je vais me faire plaisir. Car je vais vraiment là, mettre toute ta vidéo là en superposition de la mienne. Je mettrai le temps qu'il faudra pour synchroniser et tout, parce que je vais faire
Là, au niveau de la bande-son, j'ai basculé d'un côté et de l'autre. Justement, là, pour que ça soit plus audible. Là, on va faire un truc vraiment sympa, là. Ouais, j'ai vu les photos, oui, je t'entends un petit peu mieux là. J'ai vu les photos où on voit l'autocollant rond vert, justement, là, de coller au pare-brise. Et autrement, au niveau de. Puisque là, je t'entends mieux, au niveau de l'installation, là, tu es avec quel matériel? J'ai pas compris là, par contre, c'est moi qui commence à te perdre. Vas-y, répète. Ah zut, il a fait que je te perde un petit peu à nouveau. Hachi trois coups. Revenir, Dundee. Ouais, je suis en train de te perdre. T'es en train de t'éloigner, là, on dirait. T'es en train de monter, de remonter vers le nord, si je me trompe pas. Bah ouais, là, je suis parti direction Limoges, donc Angoulême, tout ça. Donc, je suis sur la nationale. Ouais, plus ça va, plus ça s'éloigne, plus je suis en train de te perdre. Ok, pas de problème, on va arrêter là. Je vais t'envoyer le 213-51, merci pour ce QSO, plus pour avoir répondu là aux différentes questions concernant ce canal 29, l'application et tout et tout. Et je vais te souhaiter une bonne route. Donc là, j'attends que ta vidéo se finalise là sur Facebook, là, qu'elle soit bien comme il faut. Je la récupère et je me mets au travail. Hachi trois coups, merci à toi et bonne route, à la prochaine. Eh ben Dundee, merci pour le QSO fort sympathique, les bons chiffres du top 51. Et puis à bientôt sur Bordeaux à l'occasion. Et si tu as besoin d'autres infos, je te contacte en MP, je vais te laisser mon numéro de téléphone. Allez, à bientôt Dundee, merci pour le QSO. Ok, merci, là je t'entends pratiquement plus. Ok, merci, bye bye, bonne route. Allez, ciao Dundee, bon courage, à bientôt. Et voilà, un grand QSO avec Dundee Cyber Radio du 33. Il avait des questions à poser pour... sur le groupe, j'y ai donné des réponses. Et comme j'ai compris, je crois qu'il va faire une vidéo avec de la pub. Donc voilà, bah, c'est un atout en plus pour le groupe. J'ai vu Benoît. Benoît, je crois qu'il avait besoin de stickers, je crois. Si j'ai bien compris. Le sticker, tu peux l'avoir en MP avec Gaël Robin. Ou moi-même. Donc voilà, il a 2,50 avec l'envoi. Tu as un collage intérieur, soit collé intérieur du pare-brise ou soit extérieur au niveau de la carrosserie. Donc voilà. Sinon, ben, merci d'avoir suivi la vidéo. Bon QSO à tous. Et puis ben, bonne soirée aussi. Et à bientôt sur le 29.